Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo in Love Art Shop, comme vous pouvez voir, donc que vous pouvez lire sur cette vidéo. Donc, avec le code de réduction G-du-6 37 842, vous aurez sur votre commande 20%. Donc 20%, ça commence à être sympa. Donc, si vous voulez aller faire un petit tour sur in Love Art Shop, eh bien à vous de jouer et vous pouvez toujours aller voir. Voilà, ça fait toujours du bien d'aller voir quelques boutiques, quelques liens. De toutes les façons, tous les produits que je vais vous faire voir seront bien sûr sur cette vidéo, hein, dans la barre de déroulement. Vous pourrez regarder et je mettrai la description et vous irez directement voir le produit. Donc on y va. Donc je vais vous le laisser comme ça. Alors, j'ai reçu deux dies que je n'avais pas commandés. J'avais commandé autre chose et puis bon, bah, ils se sont trompés dans la commande. C'est pas très grave, hein. Justement, ça fait un petit effet de surprise. Moi, j'aime bien aussi, hein, pourquoi pas. On vous offre un petit panier et puis à vous de créer avec ce qu'on vous offre. Ça pourrait être sympa aussi. Donc, tout d'abord, j'ai reçu ce dies-là. Alors, quand j'ai vu ce die-là, je me suis dit, alors tout d'abord, quand j'ai ouvert mon enveloppe et tout, je me suis aperçue que je n'avais pas les bons dies. Puis je me suis dit, bon, bah, on va regarder quand même. Et là, j'ai dit, waouh, je vais faire la découpe et puis on va voir ce que c'est. Et puis, je n'ai pas réussi, j'ai traficoté un peu dans tous les sens. Et puis, du coup, j'ai fait un petit mot. J'ai fait un petit mot à InLoveArt et je leur ai dit, écoutez, j'ai reçu ça et ça à la place de ça et ça. Donnez-moi les liens pour que je puisse voir ce que c'est parce que là, je suis un peu paumée. Et du coup, cette découpe-là, fait ça comme découpe. Et en fait, c'est pour faire une carte, vous savez, en 3D ou quelquefois, on les met comme ça. On peut mettre deux tubes à essai avec des fleurs et le mettre sur un meuble ou en déco pour... Voyez, vous décorez les deux côtés et puis vous faites une déco pour votre table avec, je vous dis, avec deux fleurs. Ça peut être très très sympa. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. On va essayer de créer ou en tout cas, je vous ferai voir ce que j'ai fait. Donc, ça, c'est le premier dice que j'ai reçu. Il est à 6,69 €. Ensuite, j'ai reçu celui-ci. Alors pareil, je me suis dit, pou pou pou, qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, c'est une sorte d'accordéon, hein, ça va être une carte accordéon un peu en 3D. Donc bah, on essaiera de la faire. En fait, quand on ouvre, c'est quelque chose qui se soulève, ça peut être très très sympa. Donc à voir ce que l'on fera ensemble ou pas, hein, de toute façon. Si on ne le fait pas ensemble, je vous ferai en tout cas voir ce que ça donne. Ensuite, alors les choses que j'ai commandées. Alors tout d'abord, il y a ce dies-là. Donc c'est un dies un peu flash. Hein. J'ai bien aimé parce que pour des embellissements, qu'ils soient petits, grands, moyens, ça peut être très très sympa. On peut superposer toutes nos découpes, faire un très joli embellissement. Enfin, on verra ce qu'on peut faire. La petite découpe, on peut la mettre sur une ATC. Voilà, on verra ce que l'on fait ensemble. Je pense qu'on fera quelque chose avec ce dies-là. Alors celui-ci, il était à 5 euros. Ensuite, on a ce pochoir. Alors ce pochoir, il est superbe. Je l'ai déjà testé. Vous pouvez peut-être voir un peu les couleurs jaunâtres que j'ai laissées. Il est très beau. Franchement, c'est un très très beau pochoir. Et facile à l'utilisation. En plus, un bon produit. Hein, quelque chose qui, quand vous passez votre texture, en fait, franchement, il y a certains pochoirs, vous savez, ils ont du mal, ou voilà, il est assez rigide, il est pas mal, vraiment, il est très très bien. Ensuite, j'ai choisi deux planches de tampons. Donc, tout d'abord, cette jolie planche de nénette là, des petits portraits d'ados, je les ai trouvés très jolis, et puis c'est des choses que je n'avais pas, donc du coup, ça y est, j'en ai. Et je les trouve très beaux. Vraiment, les quatre sont très sympas, très différents, mais très très jolis. Et puis mon petit coup de cœur, c'est pour cette petite jeune fille qui a des petites taches de rousseur, qui est trop mignonne. Et enfin, donc une dernière planche de tampon, donc trop choupie, j'ai adoré. Donc un petit lapin qui sent, enfin qui a un petit papillon sur le nez, il est trop trop beau.
Lui, pareil, il sent les fleurs, il est super joli. Et puis alors j'ai craqué pour la souris qui promène la coccinelle. Je trouve ça vraiment trop kiki, c'est trop mignon. Les petits champignons qui rigolent, la grenouille, enfin bon, je trouve que c'est sympa pour des petits. Même les ATS, on peut mettre la petite grenouille ou la petite coccinelle sur sa fleur. Vraiment, on peut faire plein plein de choses super ravissantes et super mignonnes. Voilà mes choix. Donc, on va faire deux vidéos, comme je vous ai dit, prochainement avec ces produits. Et puis, on verra ce que l'on fait ensemble. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Amusez-vous bien, mais surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye!